faut quand même que je fasse attention à mon comportement vis-à-vis d'elle et que je les respecte. J'ai un petit cadeau pour toi. Sérieux ? Pas de problème. Ok. Voilà, je te fais une petite casquette. Non, j'aime pas. Bon, bah, je la ramène alors. Je rigole. Non, voilà, je te fais une petite casquette, donc avec ton prénom. Ah, c'est et puis une petite couronne, vu que t'es un prince. Super, original. Voilà. Super. Enfin, je suis très touché par ton cadeau. Ouais. Ah ouais, je suis vraiment très touché. Vraiment, vraiment. Un gros bisou. Bon, bah, ça te fait plaisir alors. Très gentil. Tant mieux. En fait, j'ai un deuxième cadeau pour toi. Bah écoute, je peux pas le sortir comme ça. C'est mon cadeau. Le fait qu'elle prenne des initiatives comme... se rapproche toujours plus l'un de l'autre. J'ai senti ses mains sur... C'est vraiment... D'accord, et toi ? D'accord. Je t'explique, je fais une surprise. Il faut que tu mettes ton maillot de bain. Et ensuite, on va aller dans le jacuzzi, parce que je t'ai préparé un petit apéro. Maillot de bain. Et ton maillot, vas-y. Ce petit bain, ces petites surprises qu'elle m'a préparées. J'ai l'impression que je suis trop direct, trop franc avec elle, et mal... Elle m'a beaucoup aidé et tout. Et du coup, bah, je me suis dit, je vais faire un petit apéro. Voilà, moi, c'est de ça que je suis en attente. Et c'est vrai que j'ai pas pu débriefer. C'était une pipelette, elle a pas arrêté de parler. La guerre, sur moi, c'est... Installez-vous, mademoiselle. On va jouer ça en 5 points. Putain, oh là là. Tu donnes tout, donne tout. Celui qui gagne. Je tue. Vous étiez là.